Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test de Dragon Ball Z Tekkaichi 3. Donc un jeu édité par Atari, développé par Spike. Donc c'est un jeu de combat, hein, sorti le 9 novembre 2007 sur PS2. Donc c'est également sorti sur Wii, hein, et l'épisode sur Wii est online. Donc on va commencer un peu le jeu. Donc là, je vais vous montrer les menus, hein. Donc il y a un mode scénario. Donc le mode scénario, ça reprendra le mode histoire, c'est-à-dire de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball GT, hein, en passant par les OAV. Le mode combat ultime. Donc le mode combat ultime, c'est quoi déjà? Je vais regarder, je me souviens plus trop, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le mode combat ultime? Ah oui, donc il y aura un Dragon Sim, donc comme les Lelovina Sim, vous devrez gérer un personnage sur ses caractéristiques, tout ça, et la relation avec les autres. Il y aura un mission 100, donc les missions 100, ça sera des missions qui vous seront données au fur et à mesure, c'est-à-dire vous aurez tel combattant, et vous devrez battre tant de combattants par exemple. Je vais vous montrer vite fait, par exemple, style grué, torture, regardez, vous devrez battre, voilà, donc Krillin, tout ça, quoi, Krillin et toute la clique. On va retourner en arrière. Donc il y aura un mode survie aussi, donc le mode survie, ça sera affronter 50 combattants, en mode facile, moyen et hard. Donc moi, je vais vous montrer, moi j'ai fini les 3, hein. Voilà, donc j'ai fini en mode Z. Fusion de disque, le mode fusion de disque, c'est pour obtenir les anciens bonus, hein, de Dragon Ball Z Tekkaichi 1 et 2. Alors, vous aurez un mode tour du monde, donc le mode tour du monde, c'est un mode tournoi, hein. Donc vous aurez le tournoi d'Hercule, le tournoi de l'autre monde, etc. Hein. Bon, le seul défaut, c'est qu'il faudrait revenir assez souvent, parce que pour modifier les heures et accéder à certains tournois, hein. C'est-à-dire les tournois se déroulent suivant les heures de la journée, donc c'est assez chiant. Hein. Donc il y a un mode duel aussi, si vous voulez affronter des amis ou l'ordinateur, hein. Un mode évolution Z, donc le mode évolution Z, c'est pour customiser votre personnage, qu'il ait plus de vie, tout ça, hein. Donc un mode entraînement, avec cette fois un mode tuto qui vous expliquera toutes les commandes, et un mode entraînement libre. Donc un mode donné, donc là c'est pour les collectionneurs, hein. Le mode donné, je vais vous le montrer. Alors, ça charge, voilà. Ah non, le mode donné, ça je me gourre tout le temps. Le mode donné, c'est pour obtenir des guerriers. Par exemple, vous pourrez vous échanger des guerriers qui auront des caractéristiques spéciales, et vous pourrez les échanger entre consoles et les combattre ou les incarner. C'est bio des personnages, donc bio des personnages, c'est pour les collectionneurs, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, parce que vous avez regardé pour chaque personnage, pour avoir son intro personnage, donc c'est-à-dire sa caractéristique, il y aura une petite histoire, regardez, voilà. Sur lui, ils diront machin, machin, voilà. Il y aura une petite histoire sur lui. Il y aura quoi d'autre? Alors, je vais vous montrer le reste. Playback voix, donc il y aura sa voix, voilà, écoutez. Il y aura le commentaire de Chichi aussi, hein. Voilà, et il y aura le modèle, donc vous pourrez admirer, c'est pour les collectionneurs, ceux qui sont fans de DBZ, ils pourront avoir une belle collection des personnages de DBZ. Donc dans cet épisode, il y a 164 personnages, je crois, hein. En comptant les transformations, donc le mode option, vous pourrez avoir les voix japonaises, parce que dans le jeu, vous aurez les voix japonaises ou les voix américaines sont vraiment moches, donc prenez les voix japonaises. Par contre, contrairement à la version Jap, il n'y aura pas les musiques japonaises, donc les musiques tirées directement de l'anime. Là, ça sera des musiques qui seront refaites dans la version européenne et pour les États-Unis aussi. Donc c'est assez moche, hein, c'est pourri, les musiques sont pourries, donc la bande sonore est pourrie. J'ai l'honnêteté de le dire, hein, c'est le gros défaut du jeu, le seul point noir, hein, je pourrais dire. Donc on va faire un petit mode scénario. Hein. Donc choix de difficulté, j'ai mis en difficile pour le scénario, hein, parce que le jeu est... Il faut un peu de difficulté quand on arrive à un certain niveau. Qu'est-ce qu'on va prendre de... Faut pas j'essaie de me croûter non plus. Donc on va prendre la saga spéciale. Donc la saga spéciale, c'est les OAV normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Docteur Wii, ça c'est pas intéressant. Peut-être qu'on va prendre Sangohan. Des guerriers maléfiques. Voilà, on va prendre ça. Donc vous pourrez faire les fusions, hein, aussi. Donc là il y aura une petite intro sur le chapitre que vous prenez pour placer par rapport à l'anime et au manga. Allez hop, c'est parti. Donc là vous aurez durant les écrans de chargement des petits trucs interactifs. Là par exemple je peux y faire bouffer plus de bols de ramen en appuyant sur croix. Voilà. Donc voilà. Alors les commandes, croix c'est pour vous déplacer. Donc il y a un lock automatique. Donc croix c'est pour vous déplacer, regardez sur le côté, en vitesse. Oh merde, attendez, j'ai un problème avec ma manette, deux secondes. Voilà, je rebranche ma manette, ça c'est le petit problème qui arrive. Bordel, qu'est-ce qu'il fait?
Voilà, donc là j'ai plus de problème normalement parce que j'ai trop usé des joysticks. Donc vous aurez, alors vous pourrez renvoyer les boules d'énergie, vous protéger avec rond. Voilà, donc regardez, je vais renvoyer cette boule. Voilà, donc là je la renvoie. Donc il y a aussi ça. Carré, c'est pour faire des, regardez, pour combattre. Voilà, donc là je me suis téléporté grâce à rond parce que je l'ai fait au bon moment. Donc vous voyez, carré c'est pour donner des coups de poing et coups de pied. Triangle c'est pour les boules d'énergie, donc vous pouvez envoyer des boules d'énergie hein. Voilà, donc là on va aller vers lui, on va aller où? Merde. Donc là il va me faire un petit coup spécial hein. Donc il y aura des coups propres au personnage. Donc en usant des commandes, je crois que c'est triangle. Alors on va regarder, je vais vous montrer. Donc là je vais faire un coup, regardez, Mako Senpo normalement je crois que c'est. Oh merde. Oh merde, ah, donc là je me fais destroy hein, pour les besoins de la vidéo. Alors j'avais déjà fait énormément de vidéos, voilà, donc là je me suis défendu, petite parade. Donc là on va avancer. Sangohan laisse éclater ta colère. Donc vous aurez des trucs interactifs maintenant désormais durant les combats, des paroles, donc les paroles des personnages et des trucs interactifs vraiment au niveau de l'histoire. Donc là il dit il va protéger, là je dois tourner le joystick, vous comprenez pourquoi mon joystick est complètement bousillé hein. C'est à cause de ce jeu. Donc voilà, là je me suis défendu. Voilà. Donc ouais, il fait un Mako Senpo, je pense qu'il va pas aller. Oh bah non, il l'a absorbé cet enfoiré. Voilà, donc là on va lui faire ça. Il est presque invincible hein. Donc là mon but ça va être d'attendre. Voilà. Voilà, donc là. Regardez, je vais lui faire un caméa, super caméa. Il va bien morfler. Là, je vais faire des boules d'énergie plutôt hein. Donc vous pourrez aller en haut ou en bas hein, en utilisant vos commandes, regardez, vous pourrez voler là où vous voulez hein. Donc c'est pas mal. Alors là. Merde. Pourquoi je me suis transformé en Super Saiyan 2? Donc les transformations on peut les faire en plein combat hein. Voilà, donc là, père. Papa m'a sauvé. Voilà, donc là, un petit truc interactif, assez sympa. Donc, à mon avis, je vais aller faire un super caméra. Merde. Avec la transformation, j'ai gagné des barres de vie. Bon, ce qui est bête, c'est qu'on peut plus détruire la planète autant qu'on voulait, hein, comme dans Budokai 3. Donc, les éléments sont destructibles dans le décor, hein. Par exemple, les immeubles. Voilà, donc là, je peux détruire les immeubles que je veux. Vous voyez. Donc on va l'enchaîner. Donc ça augmente vos coups, les transformations. Hein. Par exemple, la puissance de vos coups est améliorée. Donc là, je sens aussi la vitesse. Il est super rapide, hein, Sangohan. Ça, je tenais à le dire. Hein. Sangohan jeune Super Saiyan 2 est super rapide. Donc là, je vais avoir aucun mal, je pense, à le tuer. Regardez, j'ai même contré son coup. Ça va pas être compliqué. Hein. Et pourtant, là, je suis en mode difficile. Alors, ok, là je me suis fait prendre par surprise. Voilà, donc là faut que je me remette en place. On va lui faire un petit coup sympa. Hein. Voilà. On va pas le tuer, on va attendre la fin. Hein. La fin de la cinématique, donc là je vais faire un peu le tour. Vous pourrez aussi vous améliorer, regardez avec les coups. Donc il y a un nombre de coups impressionnant par personnage. Il y a au moins 50 coups, hein. Je vais être honnête avec vous. Oh, attends, non. 50, ouais, au moins une quarantaine de coups, 40 coups différents, hein, tous différents pour chaque personnage. Donc il y a vraiment une variété de coups impressionnante. Hein. Alors là, on va faire quoi? Impardonnable. Regardez, je me mets en super puissance là, donc je suis au maximum. Bon, il va rien se passer donc je vais faire. Regardez, mon super caméra. Donc là, je l'ai tué hein, avant la fin de la cinématique, c'est un peu dommage. Donc je pense que je vais vous montrer un autre combat. Hein. On va quitter le mode histoire qui est pas très intéressant à mon goût. Pour aller se faire des combats perso. Voilà, donc là je gagne un total de points Z qui va me servir à acheter des capsules. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour l'évolution Z. Alors, sauvegarder les données de jeu. Bon oui. Hein. Non. Donc les graphismes sont en cel shading. Hein. Ça retranscrit bien évidemment parfaitement
le manga, hein. En cel shading, c'est vraiment impressionnant. Les graphismes sont assez jolis, vraiment jolis même, j'ai envie de dire, hein. La bande sonore est pourrie. La jouabilité, il faudra un certain moment d'adaptation. La jouabilité est vraiment pas facile, hein, parce que ça demande vraiment une maîtrise des coups, de tout ce qu'on fait. Voilà, donc on va aller là. Et donc, il faudra au moins une heure d'adaptation, 1 à 2 heures d'adaptation, et je dirais plusieurs semaines avant de sortir des coups vraiment différents et vraiment bien foutus. Donc là, on va mettre combat par équipe. Vas-y, amuse-moi. Donc je peux faire On va prendre plusieurs personnages. Je peux faire les fusils en plein combat, hein, bien évidemment. Et les transformations aussi. La durée de vie, le jeu est extrêmement long. Hein. Pour tout débloquer, moi j'ai débloqué tous les personnages. Il m'a fallu au moins 20 heures, hein, je dirais. 15 à 20 heures pour débloquer tous les personnages, finir en mode histoire, etc., etc. Tous les tournois aussi. Et pour débloquer les niveaux. Je crois que j'ai tous les niveaux. Je suis pas sûr, faut que je regarde. Il me semble que j'ai pris presque tous les niveaux. Alors il doit m'en manquer un ou deux, sinon donc là il y a Chichi. Robot de Pilaf. Qui c'est que je voulais prendre? Ah, je sais même plus. Donc on va peut-être prendre Broly, je sais pas. On va prendre Broly comme ça. Voilà. On va prendre qui d'autre? On va peut-être faire les transformations. On va prendre peut-être une fusion. Assez marrante. Hein. On va prendre qu'est-ce qu'on va prendre comme fusion? Vous aurez les personnages de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et les OAV. Hein. Alors, on va faire deux types de combats. On va prendre quelle fusion? Non, c'est pas lui. Pour la fusion, c'est lui. Voilà. On va prendre la fusion comme ça, Super Gogeta. Ok. Et on va mettre un personnage mot de passe qui va être super dur à tuer. Hein. Je vais me prendre une sacrée branlée. Hein. Il a tous les artefacts, lui. Alors, on va le mettre comme ça, en Broly super légendaire. Voilà. Attendez, est-ce que j'ai pas fait de con? Voilà, je remets. Voilà. Personnaliser un. Donc là, il aura tous les artefacts. Vous allez voir, je vais me prendre une sacrée branlée. Alors, on va peut-être mettre un deuxième personnage. On va prendre Sangoku. Non, on va prendre de... Majin Vegeta. Voilà. C'est parti. Alors, non, il manque un level à mon avis. Voilà, j'ai... Alors, un... Ouais, il manque plus qu'un level, donc c'est le désert le midi. Donc un décor assez inutile. Qu'est-ce qu'on va prendre comme niveau? On va prendre le Mopa Ozu, hein. Donc là où habite Sangoku, hein, je crois, ou c'est son grand-père qui habitait là. Je vais faire deux types de combats, on va faire celui-là, puis après on va refaire un autre pour finir. Voilà. Vous voyez le décor. Non, là il y a la maison de Sangoku. Alors, on va essayer de le battre, hein, mais ça va être vraiment chaud. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, ça commence déjà à branler. Oh là là, regardez toute sa barre de vie. Ouh, aïe 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 aïe. Je sais pas si je le battrai. Hein. À mon avis, non. Oh la vache. Vous pouvez pas vous imaginer la puissance qu'il a. Hein. Moi, je suis peut-être un noob aussi, hein. Ça se peut. Hein. C'est-à-dire, je joue pas super 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 souvent. Hein. J'ai appris quelques coups. Oh la vache. Non, là il va rien me faire. Voilà, regardez seulement ce que je lui fais. Je lui ai pas grand chose. Pour vous donner un ordre d'idée de sa puissance. Voilà. Je vais peut-être lui ôter 1 à 2 barres de vie. Hein. Faut que j'essaye de faire en tout cas. Oh la vache. Il est super fort au corps à corps. Hein. Lui il me fait un coup presque, il me tue. Hein. Voilà. Alors là il va arriver vers moi ce con, voilà, ça je le savais. Ils font souvent les mêmes coups hein, les ordinateurs. Merde. Voilà, regardez, petite téléportation et un coup derrière. Je lui enlève le 6ème de sa vie. Que je fais un coup comme ça. C'est assez minable. Oh merde, pourquoi il veut pas me faire... Oh merde, regardez, Destroy qui va me faire. Pouah. Ah ça c'est la destruction totale hein. Donc vous aurez des gros personnages comme des gorilles, etc., etc. Vous aurez les gorilles que vous retrouvez. On les retrouve quand les gorilles au début de la saga Dragon Ball et oh, regardez, il commence fort là. Donc, j'ai pris lui. Faut que j'essaye de fuir là pour pouvoir me transformer. Oh, la vache. Donc, voilà. J'espère qu'il va revenir. Reviens petit.
Vous pourrez charger votre caméra. Oh bon sang. Oh ça c'est l'attaque ultime. Oh non non. Regardez, je vais mourir là. En un coup il va me buter mes 3 barres de vie, ça sent. Voilà, quand je vous avais dit qu'en un coup il a buté toutes mes barres de vie, hein, ça prouve donc les vêtements sont destructibles, hein, donc votre personnage s'abîmera au fil de combat, hein, vous verrez la destruction sur lui. Quand je vous dis qu'il est extrêmement puissant, là j'ai pris un perso cheaté, hein, pour le personnage, hein, j'ai pris un personnage de cheaté. Hein. Je voulais une dérouillée, je l'ai eu. Voilà, donc là, regardez ce que je lui fais, hein. Donc il craint pas les caméras, va falloir que j'aille au corps à corps. J'ai encore fait le total abruti, regardez, je lui ai fait 8 de dommages avec une super attaque. Hein. Merde. Oh là 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 là. Est-ce que je me prends dans la poire? Donc les combats pourront se dérouler dans l'eau. Waouh. Wow. Là j'essaie de me défendre. Oh la vache. J'aurais peut-être pas dû vous montrer. Ah, sa garde est parfaite en plus. Donc je vais mourir à mon avis, hein. C'est mon dernier personnage. Il craint pas la caméra, je vois pas comment je pourrais m'en sortir. Voilà. Donc c'était une bonne branlée, hein, que j'ai prise là. En plus il reprend sa vie, cet enfoiré. Il est totalement cheaté, hein. Ah là 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 là. Donc on va faire peut-être ouais, le dernier combat, je pense. On va essayer de le gagner, hein. Alors, là on va plus prendre de personnages cheatés contre moi, hein. On va prendre quoi? On va faire un petit combat légendaire, hein. Sangoku Super Saiyan 2. Voilà. Hein, contre, attention, à votre avis ça va être quoi? Attention, suspense, Vegeta, deuxième forme, voilà, enfin, et on va aller dans, je sais plus ce que c'est, ça doit être le désert, non c'est pas ce désert là, on va dire que ça va être le désert comme ça, voilà, et on va se battre contre Vegeta Super Saiyan 2. Qui gagnera? Mystère. Donc moi c'est un jeu que j'ai particulièrement aimé, hein. Donc c'est le jeu qui m'a fait acheter une PS2, hein, ça je dois le dire. Donc j'ai acheté la PS2 à 50€ et j'ai acheté le jeu à 20€. Donc ça m'a coûté 70€. Mais j'ai acheté une PS2 rien que pour ce jeu, étant fan de Dragon Ball, hein. Et ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui je pense que pour 60€ vous pourrez avoir une PS2 avec ce jeu. Donc ça vaut vraiment, mais vraiment le coup, hein. Voilà. Oh là là, donc là il m'envoie pas mal de boules. On va essayer de faire un beau combat. Bordel, ça commence mal. Voilà. Donc on sent moins la puissance des persos par rapport à, comment ça s'appelle, à Dragon Ball Z Tekken 3, c'est-à-dire les fusions. Maintenant on sentira, elles sont pas chronométrées les fusions malheureusement. Donc. Allez, voilà, donc on va essayer de le poursuivre. Donc là, voilà. Donc là, je lui fais des brises gardes. Regardez. Et là, il pourra plus. Ah, si, il va encore continuer. Voilà. Donc là, il est totalement crevé, hein. Il pouvait pas faire trop de brises gardes. Regardez, je l'enchaîne totalement, là. Regardez. Alors là, on va essayer d'aller comme ça. Voilà. Une petite attaque spéciale. Poursuite. Voilà. Vous pourrez oh, donc là il va me faire une super attaque qui ne sert pas à grand chose pour lui. Regardez, je fais une téléportation. Oh merde, il s'est retourné. Oh ce shit. Voilà, donc là on lui fait ça. Je vais essayer d'aller dans un coin pour vous montrer un caméa téléport. C'est assez bien foutu, c'est pour ça que j'aime bien. Sangoku, deuxième forme. Voilà, regardez bien. Il s'y attend pas, et hop, on le finit comme ça. Voilà, voilà. Donc, on va peut-être refaire le combat, juste pour le fun. Un petit dernier combat, et on se quittera là-dessus. Parce que là, il a été super rapide, ce combat, malheureusement. Pourtant, je suis en mode difficile en face, hein. Oh la vache. Ah, bon, voilà. Là, il va se défendre, cet enfoiré. Oh, putain. 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 Oh. Voilà, donc là, je peux... Oh merde, il a été plus rapide. Oh là là, bon, là c'est lui qui va m'enchaîner, hein. Donc il y aura peut-être une revanche. Oh merde, il continue à m'enchaîner.
Putain, il va faire un perfect ou quoi? Alors, autant tout à l'heure je l'ai enchaîné, autant là, il va décider de m'enchaîner. Oh là la vache. Voilà, donc là on va lui foutre ça dans la gueule. Je vais faire que des boules là. Excusez-moi, ça va pas être très joli en combat. Ah merde, il va m'enchaîner là. Oh la vache. Il me reste pas beaucoup de vie hein. Non. Faut que je fuis. Ah. Ah et voilà, donc finale. On va faire une finale hein. Il a eu sa revanche, t'enfoiré. Putain. Aïe 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 aïe. Il y a un défaut du jeu hein. C'est les attaques dans le dos hein. Ça vous pourrez rien faire des fois, vous ferez enchaîner hein. Voilà, donc là je me suis téléporté. Je vais lui faire des prises garde, cet enfoiré. Oh, merde. Allez. Putain. Ah putain. Putain, je vais essayer de fuir là parce que là il va me faire un enchaînement total. Il va me faire que des balances. Regardez, il balance souvent des ki, c'est ça qui est chiant. C'est en général les noobs qui balancent du ki. Hein. Voilà, donc là on va essayer de faire une attaque fatale. Ah merde, putain, mais. Voilà, morfle ça dans ta tronche. Ah là, tu reviendras faire du coup. Voilà, donc là, je vais avoir ma revanche. Non. Putain, mais. Ah. Ah la téléportation. Voilà. Ouah, il va m'enchaîner là. Oh la vache. Donc là j'ai un petit coup d'espoir. Voilà. Allez, on se concentre. On va essayer de faire une attaque. Merde, 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 mais non, mais... Allez, voilà. Et on va finir comme ça. Allez, c'est parti. Je pense que je vais pouvoir le finir, à mon avis. Voilà, et j'ai gagné. Donc on va se quitter là-dessus, hein. C'est une vidéo test de Dragon Ball Z Tekkaichi 3, hein. Un jeu sorti sur PS2, que j'ai adoré, moi, personnellement. Et je vous conseille de l'acheter, si vous l'avez pas encore acquéri, sur PS2 ou Wii. Parce que sur Wii, il y a un mode online. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt.